Bon, je coupe la musique parce qu'en réalité elle tourne en boucle, hein, donc avant qu'elle se termine, enfin il y a le temps quoi, voilà. Alors, bah coucou tout le monde, bonjour à toi Lulu. Hop là. Ok. Bah c'est Mentalis, et bah, on se retrouve pour un nouveau live. Bah ouais, bah, toujours sur Monster Hunter 4, bien évidemment. Et donc aujourd'hui on va continuer à farmer en solo parce qu'il y a un truc que je cherche à débloquer en fait, et vu que j'ai complètement oublié comment le débloquer parce que bah sur le coup je m'étais dit tiens c'est intéressant mais que j'ai pas du tout noté la quête. À voir qu'on continue à se taper toutes les quêtes, et oui. Qu'est-ce qu'on en retrouve? Tu es trop content. Pourquoi? J'aimerais bien savoir. Bah donc on va défoncer deux vélocidromes, bien sûr, dans le bois. Bois éternel. Ah, bonjour à toi, Mountain Dew 252. Ah, mais j'avais pas vu, mais il y a aussi Orion! Mais je t'avais pas vu! En fait, quand je suis arrivé, j'ai vu un message de Nightbot en fait tout en haut, donc je me suis dit qu'il avait encore spammé, mais j'avais pas vu qu'il te répondait en fait. 9h ce matin. Ah, et les gens, vous attendez pas à ce que je live le matin. Hein. Non, c'est extrêmement rarissime que je live le matin. Berserker, c'est bien au début, hein. Non, c'est la déviation et tout. C'est de la merde! Allez, on va prendre Bombardier. En même temps, Orion, qui se soucierait de toi, quoi? Je veux dire, t'es pas très intéressant comme mec. Bon, on me frappe pas! C'est une boutade. You're French. Yes, Mountain, I'm French. So, could you speak a little French, or is it not possible? Non mais je plaisante, Orion. Ça m'a l'air bon. Tu le sais au fond que t'es mon modérateur préféré. Derrière les autres, je veux dire. J'imagine bien Orion. Oh, le petit mouvement d'espoir. Ah bah non, en fait. Allez, bon. Ah oui, bah c'est là. Ok, d'accord, super bonne ambiance. Alors, je vais récupérer une torche, bien sûr, très, 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 très obligatoire la torche. C'est you can try Mountain if you want, but I don't speak English, I'm French. Sorry. But you can stay if you want. Bah en fait, les marquer ça va servir à rien, donc. Potion de pierre. Donc les marquer ça ne servira à rien. Après bon on y va YOLO hein, j'ai envie de dire que une bonne technique qui marche c'est d'y aller et de bourrer en fait. Globalement bonjour je... Oh là là. Bon, ok mais ah non il est pas mort. Ici il était en fait. In French, mountain, montagne. Allez. Ouah, c'est quoi cette zone de la mort, quoi? C'est pas du Nersilla, là c'est. Je l'upgrade en fait. Ok, c'est pas par là. Y'a rien. Ah, j'ai trouvé. Non, bah non, non. T'es trop petit toi. Je vais dire, oh putain, j'ai trouvé, il est là, mais non, non, t'es un nain toi. Dégage. Un streamer MH que je connais pas. Eh ouais, hein. Non, mais c'est peut-être parce que je stream jamais. Non, mais en vrai, je dois reprendre les streams donc. Là où y'a rien d'intéressant. Je vais essayer d'apprendre le français s'il a envie. Hein. Il a du courage hein, parce que franchement, c'est pas la langue la plus facile à apprendre. Hein. Ah, du miel. Aïe, mes fesses. Je me casse. Je prends trop cher.
Enfin, je prends trop cher. J'ai pas envie de prendre plus cher que ça, en fait. Par contre, je suis pas censé trouver deux vélos si près dans le tas. Bonjour, je suis à la recherche de deux vélos si près, vous les auriez pas vus. Je sens que ça va être très long. Aucune idée de là où ils peuvent être. Ça, c'en est pas. Non, non. C'en est deux. Oh putain de merde. Oh plus. Hop là, c'est une zone de merde. Oh là là, il m'éjecte en plus hein. Allez. Wouhouhou. Je suis pas bon. Ne mange pas. J'ai pas bon goût. Mais t'es Trichelieu, TGF, fait un truc. Mais quelle bande de branleurs c'est de là. Et mais je suis en train de me faire rect quoi. Les deux en même temps, c'est juste une horreur. Et je me fais enchaîner en plus, hein. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Bah oui, bien sûr. Ouf. C'était un peu chaud sur la fin. Wouhouhou. Allez, soignez-moi. Nickel. Non mais là c'était pas obligatoire par contre, ça servait à rien, voilà. Oh là 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 là. Hop là. Je déteste déjà de base ces mobs, mais alors x2. Ah, là par contre j'aime bien. Pour rappel, là j'ai un up d'attaque hein. Ok, le deuxième maintenant. Je joue pas l'épée longue parce que j'aime pas du tout. Enfin, à choisir, je préfère carrément quand même jouer l'insectoglaive qui est quand même beaucoup plus joli. Franchement, à voir, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir du. Ok, tout le monde boitouille, donc on se casse. Donc je trouve que c'est beaucoup plus joli de voir quelqu'un jouer à l'insectoglaive, pardon, qu'au sabre. Ok, bye Mountain. Aïe. Oh là là. C'est le rouge qui m'intéresse. Non mais... Voilà, et d'un...
Lâche. C'est un lâche. Il se barre. Moi, je voulais juste lui faire un bon réveil. Ok, il est pas là. On va dans l'autre sens, hein. Coucou d'Arpika. Et donc, coucou d'Arkmat. Plop, 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 plop. Ah! Bah, merci pour le follow montagne, même si t'es parti. C'est heure du mat. C'est l'heure normale pour se réveiller, ça. Il faut bosser un peu, les gens. Les vacances, ça n'existe pas. De quoi? Moi, je suis en vacances. Mais non, c'est pas vrai, je suis au chômage. Il y a une différence. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, au revoir. On va bien finir par en trouver, hein. J'ai pas dormi aussi. Ah, tu te prépares pour live 24h? Tu veux me tenir compagnie toute la journée? C'est très sympa à toi. Ah ouais, non, mais alors là, les mecs, on va pas du tout devenir potes. Coucou, Ya. Le mob, en fait, il a tout simplement disparu de la surface de la Terre. Genre, il est plus du tout là, en fait. C'est long et chiant. Salut! Je cherche deux gendromes, vous en auriez pas vu. Live 24h. Moi, je dis que de la gueule. Ah bah c'est très gentil à toi, Souldre. Et je me sens très très honoré que tu décides de me follow. Merci. Ah ah! Il pionce encore? C'était une technique qui a fonctionné, hein. Oh putain. La patate qui s'est pris. Alors retourner acrobatique d'un mob, quoi. Ah là là. Cuir wyvern carapace. Ah, c'était mob plus quand même, hein. Ça déconne pas, hein. La violence, ouais, c'est un peu ça. Bon, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était cette quête pour le truc qui m'intéresse. Donc, on va voir ça. J'espère sincèrement que c'est ça, parce que sinon, on va... Enfin, dans tous les cas, c'est vrai, puisque après, on va continuer à farmer les quêtes, mais... tu veux faire un peu de multi? Bah, dans l'immédiat, j'aimerais bien juste récupérer le truc qui m'intéresse, et vu que j'ai complètement oublié qu'est-ce qui me donnait ce truc, bah, on va attendre, les gens, je suis désolé. On va attendre que je le débloque. Mais logiquement, je crois que ça. Bonjour à toi, Light of Erebor. Si t'inquiète pas, c'est juste que c'est un peu lent à arriver des fois. J'explique pas. Mais ça va arriver sous le dream, t'inquiète pas. Alors. Wouah, j'aime Wyvern rapace. Trop fatigué pour travailler. Alors toi t'es un Dark Pika, c'est-à-dire le vrai Pikachu Shiny. Ah sérieux, tu viens de le recevoir? Eh ben écoute, je te souhaite de beaucoup t'amuser dessus parce que franchement il est génial. C'est du quel rank? Là du rank 0, hein, Zenchu, c'est du rank, je défonce les quêtes que j'ai pas encore fait parce que j'ai déjà envie de les faire. Parce que j'aime pas avoir des quêtes incomplètes. Et aussi parce que j'ai envie de débloquer un truc en fait. Et pour débloquer, faut que je fasse une quête, mais j'oublie laquelle, donc je fais toutes dans le loot. Et c'était pas celle-là. D'ailleurs, je me dis, ça fait un moment que je suis pas allé à... Bah déjà à Art que je suis pas allé.
sais plus ce que... Enfin si, je sais ce que je cherche, mais j'ai pas envie de vous le dire parce que vous allez me le spoil. Ouais, voilà, c'est ce que je craignais. Ils ont masse de quêtes à me donner. Donc on va parler à tout le monde. Voilà, on va parler à tout le monde histoire qu'ils me filent de nouvelles quêtes. Voilà. Méga pioche, ça c'est cool. Problème mineur, ah, ok, on va voir ça. Je parlais que c'est la quête 6 étoiles qui me manquait. Ah, merci pour le follow donc Soul Dreamer. Soul Dream, pardon. Dreamer, c'est moi je te rajoute des. C'est mieux Dreamer, tu es une âme rêveuse, tu vois, pas une âme de rêve. Alors, où est. Ah oui, l'Anna qui donne les quêtes, elle est en bas. Bon, de toute façon, non, on va continuer le tour du monde. Donc, Dundorama, j'y suis allé récemment, y'a rien. Valabar, y'a rien. Grande Salle, y'a rien. Qatar. Bah Qatar on en vient, y'a rien, et bon, on va à Qatar parce que franchement je trouve que c'est l'endroit où c'est plus agréable de se balader. Le Fata Blanc, bande de tricheurs. Alors, logiquement, la dernière mission est arrivée. Hein, Gendrom Kezu, Outbreak, allez crever. Pickpocket, Gypsyro Améthyste. Bon bah... Non. On va changer de panneau. Parce que là si je me pointe face à un truc qui tape feu avec ce truc, comment vous dire, je vais prendre très cher. Voilà. J'oublie de dormir. Le mode histoire. Ouais, bah je sais pas combien d'heures de jeu je suis dit, mais je suis loin des 120 heures encore. On va vérifier à combien d'heures je suis. Quoique, ça se voit peut-être sur la carte de guilde, non? Carte de guilde. Temps de jeu 82 heures. Pas mal. Pas besoin de reset la console. On va sauvegarder. Et donc oui, j'ai pas tout non plus fini l'histoire, hein, bien évidemment. Je suis à 580. Ouais, bon, le jeu j'ai reçu beaucoup plus... enfin, bien après toi et surtout, je peux pas jouer autant que je veux en fait. Hein, je suis soumis aux conditions du streamer. C'est-à-dire que je dois pas trop avancer hors vidéo et... Surtout, je suis aussi, j'ai aussi les contraintes de YouTube qui m'interdit de trop avancer en stream, puisqu'il faut quand même que je garde pas trop d'avance sur YouTube. Donc, MHTRIU, moi avec MHTRIU, MHTRIU, je sais pas combien d'heures de jeu je suis, mais beaucoup, beaucoup. Hein, Orion, hein, tu t'en souviens des nuits blanches? Allez, on se la prend. Maxumi, tu live pas. Ah, c'est un streamer, Maxumi. Désolé, je ne te connais pas. 820 heures plus. Wow. Eh, hey, coucou, Kirin. Alors, nous allons prendre de quoi résister au feu. Voilà. 59 heures, moi. Wow. Oh, ouais, quand même. C'est déjà pas mal. 3 jours avant la sortie. Ah, ouais, bien sûr. coucou Dark Shadow. Allez. Une quête, ça. Je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a une histoire de. Qu'on s'appelle. D'exploration en fait, pendant les quêtes d'exploration tu peux le croiser si j'ai pas de bêtises, si tu as croisé au moins une fois. Ok, je suis là. C'est quoi cette zone? J'ai du mal à reconnaître en fait.
Ok, si on est d'accord, on est dans l'enjeu volcanique. On va pas s'emmerder. Voilà. YOLO. Logiquement, il est par là. Nickel, il nous a vu, on l'a vu. Câlin. Merci pour le follow Zenchu92. Alors, vous en voulez pas, comme d'hab, vu que je suis en combat face à un mob que je ne connais pas, je vais pas trop lire les commentaires. Le temps que je fasse un petit peu au pattern. Alors, déjà. Ok, bon, c'est pas trop mal. J'aurais bien aimé avoir le rouge par contre. Oh là là. Oh, lui il est plus grand, remarquez. Hop là, je vais pouvoir lui sauter dessus. Je crois qu'il empoisonne. Oh là là. Oh oh! Il fout des patates avec sa petite queue! C'est trop adorable! Wouhou! Je me suis failli! Reviens! Ok, il empoisonne donc. Ok. Ok, là il va bouger. Ouais, j'avoue qu'avec toutes les patates qu'on se prend dans Monster Hunter, les armures elles sont très très résistantes quand même. Ne va jamais avoir besoin d'être réparé. Allez. Je crois que j'ai un peu rendu furieux. Allez. Tiens, pour vous, quel est le monstre le plus rigolo sur Monster Hunter 4? Le 4, hein. Après, si vous me citez des monstres que je connais pas, je vais avoir l'air con. Donc je préfère que vous citiez des monstres que je connaisse. Ah, je suis empoisonné. Je suis de la merde. Pas d'antidote en plus. Quoi? J'ai été sonné par quoi? J'ai été sonné par un truc, mais allez savoir ce que c'était. Hein. Bonne app.
Ok, il fuit. Bon. Ok, nickel. Où est-ce qu'il va partir? Ouais, j'avoue que c'est aussi rigolo, genre les petits mobs, vous dites, oh tiens, il est mignon, bon, j'ai le temps de récupérer ce minerai. Puis pendant que vous êtes en train de récupérer ce saloperie de mob, hein, on va pas citer les vélocipré, bah d'un coup, bah, ils vous sautent dessus et vous pouvez pas récupérer, voilà, ils font ça pendant 20 minutes. J'ai rempli parce que vous avez la stuff normale et que eux sont en plus. Donc au bout d'un moment, vous êtes obligé de prendre des potions parce que vous faites tabasser par des putains de vélocipré. Je vois rien. Merci. Voilà. Genpré, Vélocipré, ouais, toutes ces bestioles là je les aime pas. Putain, mais par contre ils nous stone tout le temps quoi. Bougez pas, faut que j'arrive à faire un truc. Non, j'ai pas de faiblesse. Il me semblait. Il va être horrible celui-là. J'ai pas une arme très adaptée, hein. Ni un stuff très adapté. J'avais pas vu ma vie. Le plus épique, ça reste quand même TGF qui carry la game. Donc TGF, c'est donc un de mes... Un de mes chats en fait, et il carry quoi, juste il carry le machin quoi. Style le machin, il gère à lui tout seul un Kirin, voilà. Il gère aussi un Shagaru Magala. Enfin bref, il fait tout quoi, il fait le café. Non, en vrai, juste craqué quoi. Repose en paix, putain. Allez mourir. Non, ça va encore, le Gypsero c'est vraiment un mob facile, c'est juste que bah j'ai pas pensé au fait qu'il pouvait peut-être empoisonner. Hein, voilà, puis c'est vrai que le poison c'est juste le truc qui me fait le plus chier dans mon centre, donc non, vraiment, autant tous les autres fléaux, problèmes de statut ou quoi, j'en ai rien à foutre, mais alors le poison, faut reconnaître que pff, si j'ai bien une faiblesse, c'est celle-là quoi. On va bouffer un peu de steak. Et si je vois que ça pue, bah potion ancestrale. Parce qu'évidemment, comme un petit rigolo, j'ai oublié de prendre mes pièges, bien évidemment. Où est-ce que tu pars? Hop là, baisse de défense, pitié. Ah, le Kurupeko, moi je le trouve adorable. Moi j'adore le Kurupeko. C'est pas une zone de repos la zone 6? Putain, Trichelieu, t'es qu'une quiche. Oh là, attendez, bougez pas ça. Ça gigote encore. Je sais pas s'il dort. Ouais, d'accord, c'est absolument pas une zone de repos. Hein. Mais voilà. Non mais. Putain, mais venez là, bande de teubés! Bon, ok, je compris, je descends. Voilà, où est-ce qu'il est?
Fun fact, j'ai pas encore dormi une seule fois. Le... Ah par contre vraiment à niveau stun, il est balèze celui-là. Genre il te stun mais genre tu es tout le temps. Mais please! Ah je m'en fous, j'ai pris la potion de pierre, je te crains plus là. Non mais... Mais il a un truc spécial là ce mob ou comment ça se passe? Putain dans le genre bien casse-burne. Oui. Je veux bien lui casser la tête, mais il a peur de vous voir. Veux-tu bien te montrer compréhensif? Wouhou! Complètement à côté. Bon, tant pis. Ok, il est parti par là. Ouais, je compte me faire des de nouvelles armes, mais... Ok, il est là. Quoi? En instant comme ça? Tu charges même plus. Ok, on m'explique où il est parti insecte là. Attendez, bougez pas, il faut que je récupère l'insecte. Je vois plus rien, je vois plus rien, je vois plus rien. Putain, je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Heureusement, ils sont sur le coup, voilà. Ok. Ok, nickel. Allez. Qu'est-ce qui crash Darkmat Monster Hunter? Il peut crash? Bon après Maxumi, des bisous, merci de passer. Moi je suis pas capable de jouer sans une arme sympa. En arme sympa, il y a la Great Sword, la Long Sword et l'Insectoglaive. Après, je vais peut-être très certainement d'ailleurs me mettre au. Qu'on s'appelle au. Au Pampam Boom de loin. Truc d'artilleur là, les. Fusard Balette, voilà, j'aimerais bien essayer Fusard Balette, ça a l'air sympathique mais. Le problème c'est que bon, ça nécessite des munitions quoi, puis ça coûte cher donc
Et moi j'aime pas dépenser de l'argent en fait. Ah ouais d'accord, donc c'est un jeu qui peut crash. Ah ta connexion, d'accord Darkmat. Oh coucou Kaito, comment ça va? Et t'as pas répondu à mon texto hein. Enfoiré va. Ah, t'as toujours pas répondu à mon texto. Tu as foutu un gros vent. Allez, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était cette quête hype? Parce qu'elle est vraiment été chiante celle-là. C'est celui est maintenant niveau 23 pendant. Il est désormais niveau 23. Ok, bah bisous Darkmat, merci d'être passé. La pause définie, bah ouais, bah t'aurais pu répondre depuis, je sais pas, regarde là, t'es bien en pause. Coucou Max Life. Putain, c'était pas celle-là! Ok, donc c'est ça, c'est le marché d'Undorma qu'il faut que j'upgrade. Ouais, parce qu'en fait, ils font une deuxième étoile au truc d'Undorma. Donc, on va essayer de regarder parce que c'est vrai que c'était lui qui m'a fait la quête en fait. Donc, explorateur, son nom, on s'en fout. Chasseur bavard, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est lui. Bon. Bon. Bah ça va être fun. Faut affronter un Lagombi et un Kezugrena. Et je présume que cette panneau n'a pas de résistance foudre. Bah non. Ah non mais tu vois moi je suis RC999, j'ai tout vu, je sais tout de la vie, voilà toi t'es qu'une merde, t'es quel rang? 998, voilà, t'as rien compris à la vie, t'es une merde globalement, tu sers à rien, voilà, c'est tout. Voilà. 500 fatalistes, waouh, super. Gros level. Sinon, jouer pour s'amuser aussi, ça peut être sympa. non, parce que tu fasses le fatalis, allez, 15 fois pour avoir tous les matériaux, ok, mais après, les fois suivantes. Alors donc, kit équipement utilisé. Donc soit 0 de résistance foudre. Non, vaut mieux que je prenne celui-là parce que certes j'ai pas de résistance foudre mais... Oh putain. Va falloir passer mettre les... Dalamcha, je sais pas ce que c'est le Dalamcha. Bonjour à toi Yugong. bougez pas, faut qu'on modifie le stuff, ce qu'on a fait hier n'a pas été sauvegardé, j'ai oublié de le save. Décoration fixée. Thank you.
Escrime 10. Ok, nickel. On a ce qu'il faut. Et donc, trouver un taillissement qui rajoute plus 10 dans un truc. Ce serait cool. Et ensuite, on sauvegarde l'équipement. Rappelez-moi de sauvegarder le kit équipement, s'il vous plaît. Ce serait cool. Ah ouais, ça, qu'est-ce qu'on a qui rajoute... Ouais, déjà on trie. Alors, qui rajoute plus 10 dans un truc. Ou plus beaucoup avec un, voilà, un slot par exemple inventeur, voilà. Ou... Garde auto, ça me servira à rien. Anti-vol, je présume que c'est pour éviter de se faire piquer des objets... Ouais, je sais plus ce que ça fait. Je repars dans 5 minutes. Ah, déjà Kaito. Ah, dommage, j'aurais bien aimé un froid avec un set d'inventaire. Voilà. Donc on est d'accord. Là actuellement... Annule les dégâts subis par le froid. Donc là, en gros, je crains plus le froid, d'accord. Oh non, la gratuition, c'est pas pour les casus. Moi, j'aime beaucoup cette arme. Même si bah, je la joue plus parce que je trouve que c'est nettement plus spectaculaire de jouer à la... à l'insectoglève, pardon. Enregistré. Voilà. Plus de... Non. De breuvage chaud, tu veux dire. Yeah. Mais fini à 16h. Ok, Kaito. T'as commencé à quelle heure ce matin? Ouais, pas con parce que j'aimerais bien regarder les nouveaux insectoglèves. Insectoglèves, c'est là. Arme. Pieux glacier. Est-ce que j'en ai une de glace déjà? Je crois pas. Hein. Non, bah tiens, si on se faisait ça. Pas encore réveillé. 8h, t'as commencé tôt Kaito. Allez, on se la fait. Voilà. Niveau armure aussi, est-ce qu'il y a une armure sympathique à faire? Bon, mis à part celle que je vis déjà actuellement, mais... Ah, pour voir c'est X, hein. Quoi? Dan ou Ran plus? Putain, ça ne bougeait pas mais... Ah non, elle n'est pas craquée, ok. Donc ouais, donc le prochain objectif, moi, c'est... Bah, elle apparaît même pas ici, ok, super, c'est celle-là, panneau. Celle-là que je veux faire parce que elle est magnifique. Voilà, elle est en or et tout. Voilà, je veux ça. Allez, bref. Cette censure, moi j'y suis pour rien, Dark Pika. Hein. Je tiens à rappeler que si vous fâchez les modérateurs, c'est votre problème, pas le mien. Et que c'est pas parce que vous venez pleurer sur Twitter que je vous débannirai. C'est à vous de régler vos problèmes avec les modérateurs. Bah, sauf si je vous bannis moi en fait. Mais auquel cas, ça servira à rien de parler avec moi, je risquerai juste de m'énerver. Boisson psy, comment on l'a fait déjà? Enfin, sérum psy.
Sérum psy. J'ai complètement oublié comment on la faisait. Potion de vitalité, je m'en fous. Bah. Ah, j'ai dû la passer au moins deux fois déjà. Vous avez dû me gueuler dessus déjà. Bisous Kaito, merci d'être passé. Pour information, pour information, Nightbot ne bannit pas en fait. Enfin, il s'est désactivé chez lui. Donc, si vous faites mute, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Un modérateur. Qu'est-ce que je veux dire? Putain, les sérums psy, ils sont où quoi? Je suis le seul à pas les voir dans la liste. Est-ce que quelqu'un se souvient de comment on fait les sérums psy? Ça passe pas là, je m'en souviens plus. Je sais pas pourquoi, c'est. Voilà. Déposer, qu'est-ce que j'ai qui n'est pas encore au max? Les poutres de vie à la limite. J'ai plus de bombe flash, ok. On va refaire des bombes flash. Ah, j'ai plus de gain bombe. Plus de Rajang Apex. Alors, je sais pas ce que ça veut dire Apex, mais je présume que c'est le spécial. Ils ont viré le Rajang spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Il avait un bug. Voilà, ici j'en suis où? Et donc, si j'ai bien compris le message, ils vont virer le Rajang Apex, c'est ça? J'ai pas compris. Expliquez-moi au moins ça, sans me spoiler le mob. Putain, j'ai pas de sérum psy, quoi. Ça me fait chier. Mais qu'est-ce que ça te spécifie? Pourquoi les développeurs les virent, en fait, les Apex? Expliquez-moi, j'aime pas ne pas comprendre. J'ai l'impression d'être con, après. Je dis pas que je le suis pas, hein, mais j'aimerais bien comprendre, quand même. J'essaie de comprendre comment faire ces... Ah putain, c'est vrai, il faut que je fasse impérativement mes Devil Joe là, au fait, pour avoir des griffes. Ouais, ça reste un spoil en soi, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait, enfin... Mais je tombe toujours dans les trolls parce que moi je vous fais entièrement confiance. Hein. Vous êtes ma communauté et je vous raconte pas de bobards, donc vous me racontez pas de bobards tout simplement. Donc je sais pas. Ils comptent vraiment virer des mobs? J'ai pas compris, expliquez-moi. Ça après c'est pour multiplier les pierres d'armure, ça je m'en souviens. Ok, d'accord, donc ils ont viré un concept, ils l'enlèvent. Ok. Ouais. Alors c'est très simple, Iki, pour te dire, le Devil Joe, qu'est-ce que c'est? C'est, imagine, un cornichon, mais genre le cornichon le plus vénère que tu connaisses. Bon, vraiment un très très vénère, très grand aussi, à peu près la taille d'un Diplodocus, grosso merdo, et qui veut un petit peu ta mort. Non, Diplodocus et Jazer, plutôt la taille d'un éléphant, voilà, donc. Imagine une limace cornichon, allez, limace cornichon, les deux mélangés,
avec deux pattes, quatre pattes pardon, quatre pattes, deux pattes devant, deux pattes derrière, et très très vénère qui fait super mal. Voilà, bah c'est ça le David Joe. Non, c'est pas un T-Rex, c'est les masques cornichons. Bon bah voilà, bah je pense qu'on a ce qu'il faut globalement utiliser. Ok, on va juste récupérer donc. Maintenant, j'ai plus envie de me laisser avoir, donc maintenant je veux toujours des antidotes sur moi. Je prends des breuvages chauds au cas où ça coûte rien d'en prendre. Et des cornichons vénères. Ah non, mais. Un cornichon T-Rex qui souffle un dragon. Ouais, c'est ça. Ça pourrait ça. Yasuo, il résume mieux. On peut en acheter des sorts en psy? Ah bah si on peut en acheter, vous inquiétez pas, j'en ai acheté plein. Alors j'ai trop de thunes. J'ai revendu des ressources en trop et bah j'ai trop de thunes maintenant donc. Non, c'est pas là qu'on achète des trucs, c'est là-bas. Alors acheter. Attends, t'en vends des sorts en psy toi? Non, il vend pas de sorts en psy hein. Bah tant pis. Allez, on va y aller. On va prendre la quête. Eh ben YOLO. C'est ça, Soul Dream. Bon résumé. Contre des points caravanes. Ah oui, non, mais alors ça c'est hors de question. Coûte trop cher. Du pain et du fromage. Pour avoir de la défense. Oracle, ah j'aimerais bien Oracle. Emma, je suis passé dans le karaoké. Ça y est. Oh, j'y crois pas, Monster qui. Ouais. Voilà, meilleure communauté du monde. Je le savais. Chez YouTube, c'était troll, mais sur Twitch, vous êtes pas des trolls. C'est bien. On va voir s'il en vend actuellement. Non, parce que si je pouvais en acheter quelques-unes, ce serait cool. Troc. Non, c'est dans marchandise en fait. C'était juste pour te feinter. T'en vends pas. Tu sers à rien en fait, globalement. On est d'accord. Bon. Les gens, il faut que j'aille faire un truc. Parce que je crois que ça fait une heure qu'on est en stream. J'ai pas regardé à quelle heure j'avais lancé le live en fait. J'aurais dû, je sais, c'est une grave erreur de ma part. En plus, je suis fatigué. Parce que moi, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Hein. Puis cette nuit aussi, putain. Ah, tiens. Il y a Super Brioche qui va sortir Life is Strange, épisode 4, cool. Ouais, globalement, ça fait une heure. Donc les gens, on va faire une petite pause maintenant. Nom d'un monstre inconnu. Ah, Gogmazio, c'est un monstre. Hop, 2 minutes. Voilà, c'est juste pour me mettre en jambe. Voilà. Donc pour vous expliquer qu'on déconne pas, oui, alors, hop. Voyons, est-ce que... Alors qu'est-ce que c'est que cette image? Ah ouais, elle est jolie cette image, tiens. Ah, elle est belle. Oh, c'est beau. Oh, moi je dis que j'aime bien. Voilà, donc c'est ça le Devil Joe. C'est très joli à voir. Bref, les gens. Hop là. Je vais mettre les sons de request. Je vais faire la pause. Et je reviens. C'est un grand Jaggy.
Ah, grave. Au moins. Cost autodidacte, voilà. Allez, donc je vous dis à de suite, les gens.
Donc on se retrouve pour la suite. Juste. Ça se coupe pas tout ou pas. Hein. Voilà. Non, je suis parti. Bon d'accord, bon alors on continue. Alors, juste. J'ai bien dit un truc. En fait. Bon. Question, on laisse les song request ou on repasse sur la musique vidéo. Vous choisissez pendant que je me balade. Voilà, donc
Donc pour l'instant, je vais regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport au mob. On va affronter un Kezu bizarre. Donc, on va essayer de voir si j'ai pas la panoplie du Kezu bizarre. Donc de base, il craint beaucoup le feu, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas le... Non. Kezu bizarre. C'est ça. Il craint l'eau. Bah oui, bah j'ai pas d'arme. Donc on va rester avec des armes de statut. Franchement, c'est clair. Allez, on y va. Je vois pas pourquoi je serais seul à en profiter. Voilà, voilà. Donc Dark Pika, t'as des goûts très originaux, on peut dire. Très spéciaux, même, on peut dire, en fait. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est vraiment spécial, ce qu'on vient de dire. Voilà, voilà. Non, ça méritait vraiment une pause dans le stream, là, parce que c'est... J'adore. Non, pas... Pas exactement, alors il faut savoir qu'il y a un thème pour les Sonic Quest qui est manga, animé, jeu vidéo. Pas boobs. Vraiment, j'insiste. C'est voilà. Donc ce sera la première et dernière fois que je sévirai à ce niveau-là. Aujourd'hui, voilà. Si maintenant ce sera time out 10 minutes ou 24 heures en fonction. Voilà. Allez, on y va. Donc on va laisser son petit quoi, je présume, puisque vous avez très motivé. Ouais, je crains plus du tout le fond. En fait. Je crois qu'il y a une pute... Ouais, c'est moi qu'on puisse dire. Hein. Pas tu, merci. Voilà. Des mangas de cul. Ouais, mais ça, faudrait... ça c'est... J'accepte pas, on va dire, voilà. Et vous comprendrez aisément pourquoi, j'espère. What? Woohoo!
Voilà. Nickel, on le fait tomber. Vraiment tout se passe bien, écoutez, j'ai envie de dire que c'est une chasse comme les autres. Bon. Les gens, j'aimerais bien que par contre vous évitiez les musiques de plus de 4 minutes, enfin de plus de 3 minutes en fait. Globalement, j'aimerais bien qu'il y ait, que ce soit fluide. Ok, on s'est fait un peu enchaîner sur la fin. Alors, on va prendre les breuvages habituels. Pierre, ou sur du démon. Non, c'est pas par là que je vais aller. En carte, voilà. J'ai jamais vu un Kevin faire un enchaînement comme ça. De toute façon, ça n'arrive qu'à moi, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. Les mobs m'adorent. J'ai un bon goût. Qui veut un bout de manta, c'est gratos. Par contre, il y a que des musiques de Dark Pikachu là, vous en mettez pas? Allez, on y va. Ah, mais ça reste un cauchemar maintenant. Oh putain, je suis trop étonné. Quel coulé. On se fait tout à l'entrée. Hein. Salut! Il change de zone, c'est super. On va aiguiser. C'est cool de pas craindre le froid quand même. Allez. Ça je le savais, ainsi qu'au palmier de la zone de la dune. Dans la dune tu peux t'accrocher au palmier en fait. Ma vie max est montée tiens. Et je suis pour rien. Putain mais il enchaîne hein. Putain mais il est effroyable.
Regarde-moi. Merci. Ok, il dort. Je préfère tout balancer sur lui plutôt que sur la bombie, hein, vous comprendrez pourquoi aisément. Putain! Putain, mais. Bordel, TGF! Alors, ça, par contre, c'est la première fois qu'il me fait le coup, quoi. Il a fallu que ce soit sur ce mob là, en plus, celui sur lequel je galère bien, là. Beaucoup, hein, j'aime bien. Allez. Il va me sauter dessus, non, il va pas oser. Oh putain, y'a la gombi. Oh là 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 là. Ok. Avec la combi, c'est une horreur. Ok, la combi, c'est pareil. Toi, par contre, tu préfères ça, s'il te plaît? Merde, j'ai raté. Allez. Ok, il est mort. Bah écoute, non, ça va, la bombe m'a pas trop emmerdé. Cuir élégant, waouh, ouais. Palmure élégante, waouh. Ça pète pas un peu ce mob? Poche de foudre. Incroyable. Premier soin. Oh, oh, okay. Allez. Ok, il se barre. On va le suivre. La caisse rouge. Grenat, s'il te plaît, tu respectes son nom.
Allez. Allez. Allez, on vole. On réapprend à voler. Ah, ah bah on est stun en plus. Ouais, et on vole encore une dernière fois. Allez. Ok, j'ai brisé la tête. Je vais casser la tête. Je te casse la tête, moi, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, la musique de FF, c'est Keito. Hein. Voilà. Nickel. Allez. Ok, il dort. Ah, j'ai pas les pompes trop quillantes. Voilà. Mais faut toujours avoir le rouge histoire de pouvoir enchaîner les attaques à l'infini. Hein. Là, regardez comment il prend cher. Allez. Eh bonjour Smench, comment ça va? Allez. Peut-être pas, je sais pas, personne ne le sait. Tu voudrais pas mourir au bout d'un moment en fait? Je vais te demander mais...
Allez. Allez, faut que tu meurs. Non mais... Que tu meurs, pas que tu casses lamentablement la tronche. Voilà. Bon. Parce que je suis en train de farmer les 4 secondes en fait. Pour avancer convenablement. Et logiquement, j'ai débloqué ce qui m'intéressait. Bon. Ouais, voilà. J'ai soif. Allez. Vous pouvez pas passer des musiques sympas. Enfin, m'en voulez pas, mais là, ça commence à m'emmerder. Voilà, ça par exemple, c'est une bonne musique. J'aime bien. Voilà. Essayez de passer des musiques du genre. Enfin, bref, des musiques qui bougent sans être horriblement chiantes. Voxtra Albinos, ça, ouais, c'est cool. Allez. Bla bla bla. Ah, on pex même en solo. On pex multi en étant en solo, mais c'est abusé ça. Bah y a bien des musiques que t'aimes. Nickel, ça y est. Nickel. Ah, ça c'est bon ça. Code rock. Mais ça n'a pas changé. Marchandise. Est-ce que t'échanges de. Non, je ne change pas les trucs de la tête. Alors, donc multiplier. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est juste les élémentaires, c'est même pas les. Alors, ça par contre, c'est moins bon. Ouais, bon bah. Et en plus, ça coûte la peau du cul quoi. Bon bah voilà, on a réussi à avoir ce qu'on voulait, mais je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Donc ici c'est pas fini encore. Bonjour à toi Drainice, pardon, Drainice. Ça me casse les doigts. Et j'ai pas envie de faire ces quêtes là. Donc déjà on va partir en multi, et oui c'est la feinte. Non, 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 non. Allez. Allez. Par contre, j'ai faim, donc on peut faire une rapide pause bien. Non, je sais pas ce qu'on va chasser. Si, j'aimerais bien faire la ratienne. Peut-être changer de panneau. Donc, préparez-vous à faire de la ratienne un petit peu dorée. Wow! Pourquoi le channel a été clear, les gens? Oh, nickel, on a Ya. Ya, dispo, Mumble ou pas?
petit déguisoir les gens. Alors que j'en rachète. Petit équipement utilisé. Donc je sauvegarde en fait. Bonne résistance feu. 348, 410 minutes. Ok bah. Ah, merci pour le copier-coller, Snappy. On sauvegarde la progression. Bah, le temps que Yasuo arrive sur Mumble, je vais rapidement faire deux tartines de miel, donc je reviens. Ouais, si je laisse comme ça, j'ai fait de me mettre l'écran d'attente. Heureux. Bon, on va sur le Mumble. Hop là, bon, vu que vous avez abandonné son request, enfin, on arrête, on remet le son du jeu. Je coupe le son du jeu, comme d'habitude, l'espace de... Enfin, je coupe tout son, donc vous inquiétez pas si vous voyez mes lèvres bouger, je vais parler un petit peu avec Yasuo avant.
Et donc, re tout le monde. Bonjour à toi, Yazoo. Salut. Voilà, donc il y a eu la gentillesse de me rejoindre pour le stream. Donc, j'ai pris ma panoplie Rathalos toute swaggy swag. Je vais prendre des antidotes. Prenez des antidotes, les gens. On va faire de la Ratian dorée. Et je sais que vous l'adorez. La célèbre et horrible Ratian dorée. J'ai pas d'arme foudre au fait. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour un insectoglève foudre? Parce que ça aussi, encore une fois, j'ai toujours pas donc. Insectoglève foudre, foudre, foudre. Ça c'est glace. Faudrait que je fasse un Daura, ok. Ça c'est feu, je m'en fous. Poisse, ça serait rigolo, mais faudrait que je fasse un Dalamadu. Non, hors de question. Foudre, il faudrait que je tape du Rajang. La blague. Quoique. La blague. T'es motivé là? De quoi? Je l'ai pas suivi. T'as bassé du Rajang? Si tu veux. Sauf que j'ai pas de quête Rajang. Ah si, j'en ai une. Bah, c'est cool. On va faire du Rajang, les gens. On est d'accord avec cette panoplie, j'ai une résistance foudre. Moins 20. Ouais, je change de panneau, les gens. je vais peut-être le son du jeu d'ailleurs, parce que là, c'est un peu l'austérité. Voilà. Bon, allez. Pas le plus fort, peut-être. Voilà. Donc. Kit équipement à utiliser. En fait, en soi, je pense qu'il va falloir que je prenne la Zinogre. J'ai 100 de. Défense. Ouais, si j'ai 100 de défense en moins, c'est peut-être un peu trop, non? Vaut mieux que j'ai 0 de résistance foudre et 443 de défense. Ou 15 de résistance foudre mais 333 de défense. À toi de voir. Toi, tu choisirais quoi? Perso, je préférais plus de défense brute parce que du moment que t'arrives à éviter ces peu d'attaques foudre, c'est bon quoi. Je connais pas le Rajang. Hein. Sur côté clair, on va faire la quête avec le Kirin, le Rajang et le Zinogre. Hein. Ah, tu comptes faire la quête event carrément? Ouais. Bah oui, bah tant qu'à faire, il manque encore les éléments de la panneau. Hein. Si je pouvais continuer le let's play avec cette panoplie, je serais content. Bah tu fais comme tu le sens. Ah mais de toute façon j'ai pas le choix, hein. C'est la seule quête que j'ai avec le Rajang, donc enfin, je crois pas avoir de quête avec le Rajang. Ah si, j'ai un Rajang tout seul, sur un step ancestral. Allez, on va la prendre. Ça tombe bien, je l'ai pas fait. Ben voilà, tu vois. Bah quitte au blé logiquement c'est bon, mais dans le doute on reprend. On va manger histoire d'avoir un peu plus de résistance foudre, parce qu'il nous faut toujours plus de résistance foudre. Hop, résistance foudre, forgeron en plus, bah c'est cool si j'arrive à l'avoir. Donc en fait je vais vous expliquer, on va crever, mais non, Esmin, je suis plaisante, il est tout nul le Rajang. Moi je le solote hein, sans problème. D'air. Tu paries? Que je vais mourir? Ouais. On y va, c'est bon? On y va. Bon, vous voulez pas, j'ai la dalle. Hein. Pas mangé depuis ce matin en fait. Enfin, depuis hier soir en fait, en soi. Ça se comprend. Oh putain, c'est plus ça que ma vie! T'inquiète pas, je suis à côté, j'arrive. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Parce qu'il faut que je streamer. Ah! Oublie de préciser, je connais pas ces mobs. Bah, va falloir que tu les apprennes vite. Bah, envoie ton insecte de merde! Il est gros? Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment fait. Salut! Tu veux un câlin? Ça se piège ce truc? Quoi? Normalement oui. C'était quoi ce mauve là-haut? Ah. Oh putain, ma vie!
Il est touchable au moins. Oui, oui, il est touchable. Quoi, mais je... il quand me touchait il, pas il là pas à traverser toute la map à chaque fois, mais oui, il est touchable. Mais il me touchait pas là, je suis désolé. Je demande un replay là. Hein. Bah oui, mais que voulez-vous? Je préfère faire des streams avec vous les gens plutôt que de manger, voilà, c'est dit. Je vous préfère à ma santé et quitte à mourir de faim s'il le faut. Ouais, j'ai réussi à paralyser. Bien joué. Je suis plus rien, je sais pas ce qui se passe. Son ventre. Où est son ventre? Ok, il est là. Putain, mais tu paralyses trop en fait, vous devez être plusieurs, voilà. Non, il y a Smash aussi qui a une CDS qui paralyse, il me semble. Et il dort. Je m'en fous. Il dort plus. Je suis le seul à avoir des armes. À avoir des bombes, j'en ai marre de payer pour les autres à chaque fois. Putain, qu'est-ce qu'il prend cher? Est-ce qu'il crame le truc en fait? Je vais lui demander parce que. Je sais plus, je connais pas ses faiblesses. Oups, monsieur doit bombe. Donc j'explose. Hein. Putain, qui est le con qui a fait ça? Je sais pas. Moi je te regardais épouser. Bah ouais. Donc pour information, enfin pour rappel, attaquer un mob qui dort c'est dégâts x2. Le problème c'est que les bombes font des gros dégâts. Le problème c'est que ça. J'ai pas pu en profiter étant donné qu'il y a quelqu'un qui l'a réveillé juste avant que je scoutais les bombes. C'est-à-dire qu'il s'est pris des dégâts normaux de bombes. Putain, mais il est censé tomber autant? On le tape beaucoup surtout. Je vois plus rien, je sais pas ce qui se passe. Ah, je l'ai vu, il est là. Il m'a mis assez cher. Hein. Ah bah non. C'était dans MHFU, il y avait une quête qui était horrible parce qu'il fallait en battre deux comme ça dans l'arène. Dans l'arène? Elle était grande l'arène ou pas? Dans l'arène. Si elle est toute petite, franchement en vrai, MDR. Il craint la glace. Ah d'accord, bah en gros je peux spammer avec l'insecte quoi. C'est cool ça. Putain, il vient de vous envoyer une poutre dans la gueule. Ouais, on s'est pris un caillou. Il a peur de boiter. Hein. Attendez, bon, vu qu'il est parti, je peux enfin continuer à manger? Vous savez ce qui est meilleur qu'une tartine de miel qui dégouline de miel? Deux tartines de miel qui dégoulinent de miel? Ouais. Il manquerait juste un petit peu de fromage de chèvre. Oups, je suis parti. Moi aussi. Coucou, ça va? Je suis encore parti, j'assumais pas.
boîte. Qui veut capturer? Je vais être si tu veux. J'ai pas de piège. Je pose une fosse. Ok. Et où le piège? Ah, j'ai cru qu'il avait feinté là. Putain, ils l'ont tué avant que je lance le deuxième tronc. Il est mort là? Ouais. Ah merde! J'ai pas eu le temps de lancer le deuxième tronc, ils m'ont tué avant. D'accord, bah super. Oh, j'ai eu de la rage de Rajang. Ça va. MDR, ça rage. Putain, merde, j'ai déjà plus de tartines. Bon, je vais faire un truc qui n'est pas très orthodoxe, donc pour le coup, je vais me baisser pour. Voilà, il restait un peu de miel au fond de l'assiette. N'oubliez pas, il en reste encore en fait. Voilà, vous avez rien vu. Bah, moi non, j'ai rien vu. Mais personne n'a rien vu en fait, parce que je. Enfin, voilà. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le stream. Oui, j'ai non, juste mais... le chat ouvert. Ah, ça, c'est un modérateur consciencieux. Qu'est-ce que je vais dire comme connerie? Ah, oui, si, c'est vrai. Ah, super, j'ai eu un joyau ou un truc du genre. Envoyez coffre. Rajang. Ner Rajang. C'est rare ça ou pas? Non, mais non, je crois pas. Sinon, ce sera un nom beaucoup plus. Et donc, j'ai pas eu ce que je voulais. C'est ballot. Il me faut le manteau d'or, Rajang. C'est mon nouveau maximum, celui-là. Pareil, c'était un maximum pour moi. Ah, cool. Allez. Désolé de l'avoir tué, pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Par contre, Dieu qui m'est cher. Hein. Il déconne zéro le machin. Allez, hé explorateur. Hé explorateur. Hé explorateur. Hé explorateur. Yay explorateur. Oh bah je reprends la quête. Enfin si je l'ai parce que c'est une avancée. Alors. Bah si je l'ai encore, mais dans la forêt primitive cette fois. Kit objet utilisé, tac. Voilà, cette fois-ci je prends des pièges. Ah bah j'en ai. Le mauvais kit. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Si, et prendre en plus. Prendre. C'était. Méga pioche et fil insecte. Allez, go. Je suis réfi. Moi aussi. Ah, il manque toujours Lulu. Lulu, Twist and Glue. Et moi c'est en fait y'a personne qui a des armes élémentaires ici. On s'est dit les armes élémentaires c'est pour les faibles. Nous on préfère On préfère les effets statues. C'est ça. Allez, charme brillant. J'ai une torche, on a gagné la game. T'as quoi? J'ai une torche, on a gagné la game. Wow, qu'est-ce que tu fous avec la torche? Ah, il est dans la zone. J'ai popé dans le camp de base. D'accord. Comment je monte? Au pif, avec ce que j'ai de plus. Enfin, le nectar que j'ai le plus, c'est celui que j'utilise. Hercurodrome.
Flash insecte x2. Ah bah c'est tout, putain, mais j'aurais vraiment eu de la merde. Il est pas comme tout à l'heure celui-là, si? Non, il y a deux types de rageantes, il y a celui-là et l'autre qui est à moitié énervé et qui est tout le temps doré. Bah en fait moi c'est le doré qu'il me faut. Oui mais celui-là en fait s'il s'énerve il passera doré aussi donc ça changera rien. D'accord. C'est juste que l'autre est plus fort. Bah, si. Tu vois là il vient de s'énerver, il est doré. Ouais, Super Saiyan. C'est exactement ça. Il aurait dû faire une quête super guerrier légendaire. J'imagine bien la tenue de Broly dans ce jeu. Faites à partir de rage en fait. Et une arme spéciale où en fait tu tapes avec tes poings. À la place de DS. À la place de... Oulala, ma vie. Merde. Oula, stun. Ok. Oh non, pas pour moi, hein. C'est bon. J'ai vu prendre un truc, je me suis... Je crois que c'est moi qui visais. Ok, c'est bon, j'ai pris un buff de défense, je pouvais plus, là. Wouh. Putain, mais j'étais full vie, là, non? Non. Je récupère de la vie sur ta queue, y'a un problème? Ah, il se déplace en faisant des petits bons, lui. Allez. Ah. Ricky. C'est cool, il s'énerve genre instant, c'est genre il se transforme vraiment spécial machin. Oui, mais c'est exactement ça. Où est-ce qu'il est? Ici. Il est marqué, comment tu peux le louper? Deux. Oui, t'as des trucs. D'accord. Ah, ils sont bêtes. Oui, il peut balancer un peu tout et n'importe quoi dans les gars. Ok, j'ai réussi à avoir mon range, c'est déjà ça. Arrête! Pourquoi tu vois le streamer?